Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Horde de Total War dans lequel nous jouons l'Egypte en difficulté légendaire. J'ai mis 8 secondes, ça s'améliore. Alors, on s'est arrêté, oui, au siège de Meroé, je crois. Peut-être? Non, il n'y a pas un siège? Ah si, voilà, un tour. Qui se passait jusque là plutôt pas mal hein. Alors, requiert l'attention. Un mineur a découvert un dépôt de minerais dans les collines à proximité de vos mines. Bah on est dans les mines. C'est bien, je suis fier de toi le mineur, tu auras une promotion si j'ai le. Si j'ai l'occasion. Je ne saurais pas dire si j'aurai l'occasion, mais si je l'ai. Oh, bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Et je vais juste voir. 20% de richesse agricole sur du pain et des jeux. C'est énorme. Eddie de philanthropie noble, moins 20% de coût de conversion de bâtiment. Moi j'avais pas vu ça. Allez, vu qu'on construit plus grand chose ici, je vais mettre. Augmenter un peu les taux d'apposition. Ah oui, c'est vrai que. Oh, risque 1%. Bah écoute, j'avais prévu avec Ptolémée de monter une armée, ce sera un peu plutôt prévu. Voilà. Alors on va recruter tranquillement. Au cas où il y a une sécession, voilà, on jugulera, apparemment ce sera. Ce sera Paritonium, Ammonium, etc. Je ne sais plus comment s'appelle cette province. Libya, oui, c'est ça. Alors, victoire, victoire. Mode équilibré, voilà, 4% de perte. Bien joué, Cléopâtre. Et on occupe. Ah, il y a encore un. Ah ouais, lui il est téméraire hein. Il me fait beaucoup. Attends, 2% de perte pour un gars. Ah. Nah. Bon écoutez, on va mener la bataille sur le champ. Je vais pas perdre 2% d'hommes pour un gars qui me fait un siège chavéroé quoi. Non mais. Déjà si j'en perds un, je trouve ça énorme. Un gars. Faut pas déconner. Alors, il vient d'où? Il vient de là-bas. Regardez, alors avec tout le monde d'accord, là, hop. Voilà. Allez, on va même faire ça très bien. Oups. C'est un peu. Un peu décalé. Bon, je pense que vous comprendrez pourquoi je le joue en manuel. Hein. 2% de perte. Ouais, avec un peu de poisse, tu vois. Le 2% de perte, tu auras un marraine dedans. Bon, autant dire que c'est pas trop mon kiff, quoi. Voilà, on met les piquets là parce que c'est drôle. Et surtout, on va sortir. On va préparer la cavalerie à sortir. Voilà. Alors c'est toi qui me fais perdre 2% d'hommes là avec tes 80 pauvres éteurs pourris là. Allez, faisons sortir tout le beau monde. Hop, dou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 . Mmh,
Trop tôt pour charger. Ah, moi ça, il tombe comme des mouches. J'ai pas envie de le faire charger de suite. Il est maintenu, il est déjà en maintenu quoi. On va y aller. Retirer le mode feu à volonté juste avant. Il continue à tirer, c'est con. Regardez-moi ça. Hop, regardez-moi ça. Là, on se barre. Et on remet un feu à volonté. Ah ouais, il n'y a plus personne. Ouais. Voilà, je les ai tous tués, j'en ai perdu aucun. C'est honteux. Avoir 2%. Ils sont où les 2% de pertes, hein? Hein? Les 2%? C'est 44 pertes! Non! 44, 46, 4, 46, 46 pertes. Mais pas pour ça! Putain! Allez, on relâche, il n'y en a plus. Ah, c'est honteux. Obligé de mener une bataille comme ça sur le champ. Ah. Miosormos, l'expansion des mines imprime, mais le nouveau minerai rapportera bien plus qu'un investissement. Les mineurs déclarèrent qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel et plus ils creusaient, plus ils en trouvaient. C'est sûrement un don des dieux. Plus 10%. Allez hop, parfait. Tiens bon. Encore des survivants de Meroé. Ah. Ils vont m'attaquer, ça c'est bien ça. Un prochain tour. Ah bah oui. Totalement oublié, mais alors vraiment totalement oublié qu'il fallait un peu reconstruire quand même. Voilà, on va savoir, ils ont quelques éléphants. Vous savez quoi, je vais recruter un peu d'archers, ça fait jamais de mal. Archers mercenaires égyptiens et nubiens. Voilà, pas besoin de plus. Lui il va. Lui il fera sa vie. Hein. C'est. Oula, risque 7%. Ouais, 7%, mais j'ai pas envie qu'il m'embête de suite, de suite. On va sécuriser pour l'instant. Pile quoi, il faut pas. Hein. Allez, seul ou quoi? Parce que. Donc ils sont toujours en Libye. Hein. Ouais. Pas grave. C'est pas grave, mieux vaut ça maintenant. C'est un bon investissement, je pense. Enfin, mon opinion, c'est que c'est un bon investissement. Voilà, pareil, il se met à se faire pipi dessus pour parler poliment. Voilà, et si je sors, y a-t-il vraiment besoin de sortir? Même pas en fait. Je sais pas pourquoi je. Non. En restant là, ça va être bien. Hop, aqueduc, souterrain. Et. On va faire un camp de tirailleurs, tiens. Vous savez quoi, on va aller narguer un petit peu là les guerriers de la fortune. Ils auraient coucou, venez regarder. On est sortis, on n'est pas beaucoup, t'as vu. Ok, mais ce qui fait que lui. Voilà, je peux le renvoyer à Alexandria. Voilà, sans trop de soucis.
Voilà. Oh. Ah, j'aimerais bien. Ouais, je ferais un bélier plutôt. C'est un peu plus rentable avec. Avec des piquiers, parce que les piquiers, ils ont pas vraiment besoin d'avoir une grosse défense. Leur défense étant. Bah, étant les lances en fait. Donc en soi. Ah zut, mon espionne. Mince. C'est pas grave. Axum, toujours traité de paix. Voilà, ils savent pas quoi faire. Allez, on va passer par au-dessus. Mais là, c'est pareil. Regardez toutes les pertes que j'ai pour rien, quoi. Mener la bataille sur le champ, hein, comme d'hab. Hein. Alors, mener la bataille sur le champ. Beaucoup, beaucoup de pertes. Et j'aime pas. Surtout dans une défense comme ça, quand t'as des piquets. Et en face, ils peuvent rien faire, mais rien de rien. Hop! Oh, belle petite ville en tout cas, bien. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Pourquoi avec des piquets, c'est facile? Je vais vous montrer, les gars. Voilà. Vous faites ça. En fait, un deuxième. Et ça passe pas. C'est pas plus compliqué, hein. Pareil, vous en faites un. Vous en faites un autre. En faites un. Et vous en faites. Oups. Un autre. Vous en faites un. Vous en faites un autre. Et enfin, encore un autre. Voilà. Non, mais c'est pas plus compliqué que ça, les gars. Voilà. Faites ça et vous avez gagné. Alors, on va quand même bien placer nos frondeurs. Hein. Faut pas déconner. Là et là notre cavalerie on la fera sortir de là c'est notre général on peut la laisser là il va me rester 2-3 unités pas ouais voilà les unités de garnison on va les mettre là ils vont regarder ce qui se passe la bataille et tout de loin ça. Faire oh, c'est joli flèches et tout qui... Oh, trop bien. Voilà, faisons sortir la cavalerie tranquillement. On accélère. C'est quoi qui vient encore à corps? Les léopards, léopards, léopards. Ah, quand même. Hein. Oh, mercenaires. Je sais pas quelle est la morale des unités de mercenaires, mais... En général, c'est... C'est plus bas que la moyenne. Bah, ils sont payés quoi, ils ont pas vraiment une. Bah, leur seule raison c'est l'argent donc bof. Voilà, feu à volonté. Ouf, ça pleut du trait quand même. Oh, ça pleut bien du trait en plus, ils tirent bien. Oh la vache! Oh la vache! Oh il... Le pauvre il s'est pris un nombre de traits. Par contre... Ah ouais j'en ai mis 3 là-bas. Bon, allez ça devrait être un peu plus calme là-bas. Waouh! On va les faire... on va les faire aller là. Ah je veux pas savoir, tout le monde là. Oh il s'est pris un nombre de traits. J'ai pas compris, j'ai cru que je me prenais la Perse en face quoi. C'est... Wow. Bon après de toute façon j'ai toujours mes piquets en défense. Ah d'accord, ils sortent par là-bas eux. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? C'est vrai qu'à chaque fois c'est n'importe. Attendez, regardez par où ils sortent. Ils savent pas où ils vont. Ouais, il faut absolument que je les fasse sortir par là. Mais non mais sortez par là. Mais.
Mais pourquoi ils sortent pas de là? De... Bon, bah on va spam, hein, de toute façon, il n'y a pas le choix que de spam. Bah, effectivement, quand il se passe des choses comme ça, on a de la perte. Voilà. Voilà. Regardez, ils retournent, ils y retournent, hein. Putain, c'est pas vrai. Ah, la connerie, il dit. Ils sont perdus. Mais quand je te dis ils sont perdus, ils sont perdus. Allez. Ils sont perdus, j'ai perdu là. Laisse tomber, merde. Je sais pas. C'est n'importe quoi. Ils sont là dans le tas, ils sont en mode. Je sais plus ce que je fais en fait. Ah, c'est pas vrai ça, ils arrivent vraiment à faire pleuvoir les. Non mais oh. Ah, regardez, regardez tout ce qui tombe là. Regardez les pertes que j'ai eues. Regardez les pertes que j'ai eues avec ces archers. Non mais. Oh les gars, vous savez même pas sur quoi vous tirez. Arrêtez. Faut arrêter au bout d'un moment, c'est débile. Putain. Purée. Non mais c'est. Ces archers, je sais pas, ils voient pas sur quoi ils tirent. Ils sont même pas. Ils ont même pas un rang. Ils ont même pas un rang, quoi. Ils sont pourris chez pourris. Et ils me défoncent sans me voir. Non mais. Ça va les gars? Vous croyez pas qu'il y a un peu un souci là des fois? N'importe quoi! Oh le haschich là, faut arrêter de le fumer hein. Non mais on aura tout vu, j'aurai tout vu. N'importe quoi. Ah, ça m'énerve. Là ça m'énerve ce qui se passe. Me prendre des pertes débiles. Parce que des archers, ils sont capables de sniper. Alors qu'ils te voient pas. Et de faire des dégâts. Je sais même pas d'où ils sortent, les dégâts. Honnêtement, je sais même pas d'où ils sortent. Non, bah non, jamais en fait, jamais de la vie. Ça me désespère, ça me désespère. Ça, c'est regardez les pertes que j'ai eues, quoi. N'importe quoi, mais de chez n'importe quoi. Ah là, je suis salé là. Ah, je suis plus que salé. Regardez les pertes. Il ne voyait pas un seul mec sur lequel il tirait. 500 pertes! Ils ont tué 500 mecs en tirant à l'aveuglette? Mais ils ont quoi dans les mains? Des grenades? Mais c'est pas vrai! N'importe quoi! Oh! On se réveille un jour, faut arrêter la connerie, hein. Ah, là je suis salé, hein. Ah, je suis plus que salé là. N'importe quoi. Ah bah oui, en plus moi je fais ça, n'importe. Et en plus je construis de la merde. Comme ça, double connerie. Non mais. Alors, constitution, morale, non. Lénique. Cavalerie, défense, charge. Je sais pas si c'est des unités héléniques ça. Surtout, je sais pas si les dernières unités que j'aurai seront des. C'est pas des.
Ok. Ma dernière unité, ce sera bien des unités héléniques. La dernière unité de piqué sera bien des unités de piqué hélénique. Donc clairement, compagnon. Oh, ceci dit, ceci, bon. Allez, commandant d'infanterie, plus 3. Deux recrues de niveau pour les recrues. Non, lui, il faut qu'il se fasse attaquer. On va retourner à Diospolis parce que lui, il va encore se barrer à l'opposé du monde. Voilà, ah non, c'est vrai que ça, on attend. Oh là là, mais n'importe Nawak. Excusez-moi, il y a de la chute. Ça se casse la binette. Ah bah, bon, quand ça tombe. Bon, écoutez, il y a tout qui se casse la gueule chez moi. Voilà, excusez-moi. On va faire simple. On va tout foutre le plus bas possible. Ça tombera pas plus bas. Voilà. Hop. Alors, toi, tu me dis. Bah non. Va te faire mettre. Accès militaire. Bah non. Tu veux pas. Assimilation. Bon, il y a toujours personne qui veut se marier avec moi. Toi, t'es le plus prompt. Je sais pas ce qui. Je sais pas pourquoi ça. Bah, il est téméraire, lui. Il se fout de ma gueule, en fait. Ah, tête, tête, ouais. Ah, tu vas voir, toi. Tu vas rigoler un peu, toi. Voilà. Voilà. Bah alors, on rigole plus, hein? Non mais. Il part en 4. Il part en 4, quoi. Voilà. Alors tout ça on n'en veut pas et tout ça on n'en veut plus non plus. Voilà. Et lui il est. Putain, il est vraiment level 3 et. Il manque rien quoi. C'est pas grave. Voilà. Lui il fait que de faire des allers-retours entre Myos-Hormos et Alexandria. Il va connaître le. Il va bien connaître le trajet, hein. Il va connaître par cœur, les yeux fermés à force. Enfin, ah oui, là je me souviens du palmier qui était là. Oh. Ah oui. C'est camp d'entraînement, voilà, que je voulais faire. On va faire une fontaine. Voilà. Bon. Ce sera. C'est plus compliqué que prévu hein, de prendre Aksum. Oui, allez, envoie, je m'en fiche. De toute façon, c'est une armée pourrie, ça. Fais-toi plaisir. En plus, il a échoué, mais quel sou. Ah. Tout ça pour ça. Allez. Allez, c'est parti. Mode embuscade. Ah, requiert votre attention. Un prétendant qui est arrivé de Delphes. Il parle en énigmes, utilise des divinations dans la rue et bredouille des mauvais présages de l'oracle. Putain, il est loin l'oracle. Hein. Ça fait loin quand même pour aller le consulter. Hein. Il est motivé. Hein. Le mec, il revient 6 mois plus tard.
Dans 3 mois, tu mourras. Ah, m'a raté. Parce que les 3 mois, c'était il y a 3 mois, justement. Ah, ouais. Non, bon, bah, je vais y retourner. Apparemment, il dit de la merde. Ouais, c'est ça, ouais. Reste-y aussi. Parden, oui, c'est ça, oui. Va adopter quelqu'un d'autre, toi. T'as que ça à foutre. Ah bah voilà, c'est bien, il meurt de faim. C'est parfait. Alors, recruter 2 éléphants, ça fait toujours plaisir, 2 éléphants. Pendant que l'on s'approche. Pas de construction. Ah si. Oh, poste de combat, c'est bon, je vais pouvoir développer un peu ça. Des meilleures unités au recrutement. Voilà, il n'arrive pas à me trouver, ça me va. Rang supérieur, Lolante, c'est bien. Très bien, Lolante, je te félicite. Voilà, et puis on avance petit à petit. Et on va faire Bélier. Ouais, Bélier, c'est très bien. Je crois que j'ai pas assez d'argent. Ah oh, bah dis. Ouais, c'est vrai que j'ai recruté du mercenaire, c'est pour ça que je vais avoir moins d'argent un peu là ces tours. Tant que j'aurai pas terminé avec. Non, Triumvirat, t'es toujours en place ou... Je crois une fois que dans une partie j'étais tellement agressif que le Triumvirat il a tenu. Il a tenu jusqu'à la fin de la partie. Ils étaient tous contre ma gueule. Oh. Ou au moins 3. Enfin, je sais plus exactement, mais il y avait du monde. Waouh! Waouh! Il y a beaucoup d'unités à distance, dit les gars. Les chariots riders. comment dire? Ça va être tendu là. Alors, je veux bien que j'ai des piquets, mais. Ouais! Ouais. Ça va pas être simple. Ouais. Ouais, je pense que mes chevaux de frise, je peux les mettre. Hein. Ouais. Oh la vache. Ouais, le plus compliqué, ça va être les renforts en vrai. Les renforts et les éléphants. Ouais, purée, j'ai oublié ça encore. Bah, voilà. Hein. C'est. Voilà, sinon tu. Voilà. Ah, je pensais pas qu'il avait apporté, tu vois, ici encore. Il dit, oh, on va faire une petite reconstitution, encore un tour, quoi. Ah bah non. Heureusement que mes piquets, ils sont frais. Hein. Voilà, donc. Unité bien plate comme ça. Notre unité, c'est à peu près par là. Ouais, bien plate comme ça. Unité comme ça. Unité comme ça. Et une dernière comme ça. Le général, je vais quand même le mettre là au cas où. À peu près ici, je crois qu'ils ont pas trop de frondeurs. Je sais plus. Oh. Je mets la cavalerie là, on va voir d'où viendront les renforts, c'est surtout ça la question.
Purée, ils viennent de là-bas. Ouais, c'est pas fou ça. Du coup, je sais pas du tout par où ils vont arriver. Ouais. Je vais garder mes éléphants là, ça fera un. Ah ouais, maintenant, je crois qu'ils viennent avec des Charrue Riders en plus. Ça va être compliqué. Par contre, en vrai, là, j'y envoie mes éléphants. Non, bah non. Tu sais quoi? Ah, je sais pas s'ils vont au corps à corps, ça. Ils ont l'air. Ils ont l'air d'aller au corps à corps. Bah, j'ai juste à y envoyer ma cavalerie, du coup. On va les faire aller doucement, quand même. On va y mettre, voilà, nos... On va mettre nos éléphants là. Oui, allez-y. Hop, une fois que ça sera passé. Je crois que ma cavalerie, je peux l'accélérer un temps. Moi, je peux même l'accélérer tout court. Ah, d'accord, il n'y a pas de frondeur. Ah, si, il y en a là-bas. Ah, ça c'est relou. Allez hop, tous les riders, morale à l'anéanti. Bon là ils ont dû péter une bonne partie des chevaux de frise. Ouais, je vais y envoyer cette unité pour défendre face à la cavalerie éthiopienne. Voilà. Elle m'a mis envoyer les deux. S'ils veulent bien. Le but étant qu'ils n'attaquent pas par derrière, comme ce serait bête. Ah, je crois qu'ils ont eu peur. Pas du tout. Ouais, c'est ça, ils veulent charger par l'arrière mes unités. Mais bon, heureusement, les éléphants, ça fait le café. Heureusement, ça fait vraiment le café contre la cavalerie. Allez, là-bas, on charge. Ça ne posera pas trop trop de soucis à mon général, ni à mes éléphants, ça, tout ça. Ça devrait aller. Allez, on augmente un peu le moral. Là, ma cavalerie, elle a fait ce qu'il fallait. On va refaire une charge. Bien sûr. Ah mince. Oula, ils sont en panique mes éléphants, ça c'est pas bon ça par contre. Heureusement ils sont un petit peu là. Allez, on refait une charge. Ah, j'aimerais qu'ils se calment. Ils se prennent des flèches en fait, surtout ça c'est. Ouais, pareil. Pareil ici. Voilà, ça a bien fait une double charge ici. Bon, au pire, les mercenaires, je peux les tuer. Ah putain, les deux unités là, d'éléphants mercenaires, ils sont pas bien. Calmez-vous, 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 calmez-vous. Regardez cette cavalerie là qui a pris mais 20 milliards de dégâts à cause des tirs de flèches quoi, mes tirs de flèches en plus. C'est bon, ils sont tous calmés. Ouh. Voilà.
qu'on va replacer les piquets. Voilà. Eux, on va faire un peu de poursuite. Il n'y a que dalle. Oh putain, si là-bas. Éviter quand même de laisser tout ce beau monde partir hein, gratuitement, ce serait embêtant. Ce serait dommage. Ce serait pas vraiment embêtant, mais ce serait dommage quoi. Voilà, on fait de la victime, ça c'est bien. Hop là. Ah, par contre. Les frondeurs, on les voit à 20 km là. Ce qu'ils cherchent, c'est mes éléphants. Ouais, clairement. Allez, on les fait bien sortir. Voilà. S'ils risquent de faire plus de mal qu'autre chose. Ouais, lui il se prend des tirs par l'arrière, hein. Pas de problème. Hein. Voilà, on y va tranquillement, mais sûrement. Faut qu'ils seront bien tous engagés au corps à corps. Allez. Bim, une bonne charge par l'arrière. Voilà, histoire de bien casser le moral. On continue, hop, juste on les sort du feu des tours, comme d'hab. Parce que les tours font plus de dégâts à mes unités qu'aux leurs, qu'aux siennes. Allez, un là-bas, et un par là-bas, c'est pas mal. Hein. Trente et un, quarante-sept, quarante et un. Voilà, on va voir. Et voilà, elle s'est fait sniper deux unités là. Allez. Frondeur, tu m'en débarrasses. Parfait. En plus, du coup, Alphessiboeus devrait avoir up. Monter d'un bon niveau là. Et c'est vrai que j'ai pas tué tant d'unités que ça. Il en avait pas beaucoup. Il y avait beaucoup de raiders en fait. Voilà, il y a quelques-unes de ces unités qui repartent en vie quoi. Très très bien tout ça. Hop. Petite construction ici. Lui, il a dû monter de niveau. Voilà, défense. Oh, je cherche pas à savoir, hein. Défense. Hein. Ouais. C'est pas mal ça. C'est pas mal, ça rapporte en plus un peu de recherche. Voilà, ça, ils vont encore fuir vers l'infini et l'au-delà. Oui, ça, pour fuir, il n'y a pas de souci, il y a de la portée. Hein. Hop, résolution automatique, pareil, là, on s'en fiche un peu. Donc, ce sont les dernières batailles. On réduit les captifs en esclavage. Ah, oui, il manque un peu, c'est ballot. Loyaux défenseur au gardien de la paix. Plus 10 de compétences d'attaque en mêlée. Ok, contre les armées de raid. Ouais, contre les armées de raid. Une contre les armées de raid. Ouais, beaucoup de trucs contre les armées de raid. On va faire loyaux défenseur, c'est pas mal.
Oh, 12% d'armure pour toutes les unités. 1% de compétences de défense en mêlée. Ok. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Résolution automatique. Équilibré, voilà, ça devrait aller. On occupe Apu d'Aksum à tes souhaits. Voilà. Ça, c'est bien. Maintenant, il faudra trouver notre cible. Alors, eux, est-ce qu'ils veulent un petit mariage? Et toujours pas. Purée, c'est pareil, ça. Mais pourquoi ils veulent pas? Ils m'aiment pas. C'est fou. Je sais pas ce qu'ils ont. Ah, lui, il va pas spécialement m'aimer, je pense. Ok, bah, je... Putain, il veut plus. Mais t'es mon mari! Tu me casses les bonbons, toi! Oh là là. T'as quel âge? Attends. Cléopâtre, elle a 37. Oh! Oh, la coquine! Ah, Cléopâtre, t'as toujours été forte pour ça! Non, d'habitude, c'est l'inverse d'ailleurs. Alors, on va peut-être faire un peu d'éducation, c'est bien l'éducation. 5 ans, 5 ans. Ah, qui c'est que je peux éduquer? Quel âge as-tu, toi? 6 ans. Ah, pardon. Bon, bah, les fils de Zeus Amon, je vais les emmener à Ptolémaïstéron. Oui, d'ailleurs, ici. Ah. Ça, on s'en fiche, et ça aussi. Maintenant, où est-ce qu'on va aller? Parce qu'on est un peu entouré de d'alliés d'Antoine, en fait, hein, c'est ça le problème. On peut aller embêter les Minéens, mais... Ah, Rome de Lépide. Ah ouais. Non, ce serait bien que Sirène tombe. Il n'y a pas de mire ici, oui, c'est vrai. Bah, vous savez quoi? Je vais emmener mon espionne. Non, je ne vais pas emmener mon espionne faire ça. Bon, je vais la faire remonter, on va voir après. Ouais, d'ailleurs, on peut. On a de quoi recruter des agents, c'est bête en plus, hein. Ouais, ça on va dissoudre, ça coûte cher. Ouf, ça coûte très très cher. Ici je vais juste monter un amiral, enfin recruter un amiral, pardon. Voilà, pour faire un peu le tour de tout ça. Et pareil ici. Ouh là, il y a du monde. Il y a sacrément du monde là dans la mer, hein. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, déjà 44 minutes. Les batailles qui auront... Les batailles non prévues. Voilà. Donc on aura conquis l'Éthiopie, en plus de l'entièreté de l'Égypte. Et bon bah la Libye, on espère pouvoir conquérir le reste bientôt. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure pour la suite. Près la même heure. Hein. Allez, c'était Tiam. Ciao!